Salut les filles! Donc, comme vous pouvez le constater, c'est déjà Noël à la maison. Donc, vous pouvez constater la jolie guirlande. Donc, aujourd'hui, parlons principalement de comment éclaircir ses cheveux de façon totalement naturelle. Donc, d'abord, un tout petit clin d'œil à Miss Aurore, donc, qui m'a fait ce bracelet Shambhala fait main et qui me l'a fait en cadeau. Donc, merci beaucoup. Alors, ensuite, reparlons un petit peu du sujet principal, bien évidemment. Comment éclaircir ses cheveux de façon naturelle? Donc sachez que c'est possible, mais que ça demande beaucoup de travail. Ça prend du temps, ça éclaircit pas dans l'immédiat, mais c'est possible. Donc vous pouvez éclaircir de 1 ou 2 tons. Il y en a qui ont pu aller jusqu'à 3 tons grand maximum. Alors, c'est pas désespéré, c'est juste qu'il faut bien suivre mes conseils donc qui vont suivre. Donc vous avez en ingrédient principal donc le miel. Donc, qui est éclaircissant, le citron, vous avez également la camomille, le rapantique, donc qui est de la rhubarbe en poudre, et le henné blond, donc qui contient également donc tout ce qui est camomille, rhubarbe et compagnie. Alors, tout d'abord, donc sachez que ça prend du temps, donc il faut renouveler les applications, il faut pas perdre espoir, des fois ça peut prendre quand même 1 ou 2 mois, même peut-être plus pour certaines, ça dépend de la fréquence donc que vous faites ces soins. Plus vous en faites, mieux c'est. Donc il faut renouveler assez couramment l'application de ces soins. Donc en ce qui concerne le citron, donc ça fonctionne très très bien, sauf que c'est asséchant vu que c'est acide. Donc je vous conseille de le mélanger donc à du miel ou avec du yaourt qui lui a un effet hydratant donc qui pourra contrebalancer un petit peu l'histoire de l'effet asséchant. Vraiment. Donc le citron vraiment très efficace mais très acide attention. Donc la camomille vous l'avez en poudre donc que vous pouvez incorporer à vos soins ou vous pouvez vous en faire des infusions ou avec des feuilles ou des choses comme ça. Le mieux c'est la camomille matricaire. Donc matricaire allemande, donc pas la camomille romaine, il paraît qu'elle est moins efficace, donc la camomille allemande. Donc ensuite vous avez le rapantique que vous pouvez trouver donc sur le site Centifolia. Vous pouvez retrouver le henné blond sur le site Aromazone. Donc sachez que j'ai déjà eu cette expérience, que j'ai fait au tout début, c'était en 2010. Donc j'ai fait ces soins pendant environ 4 mois. Donc là, vous allez vous dire 4 mois, c'est long. Mais quand on a vraiment envie, on y arrive. Peut-être que chez vous, ça sera moins long. Parce que moi, c'est vrai que je ne faisais pas des applications assez fréquentes. Ce qui fait que ça ralentit un petit peu le... Ça m'a pris plus de temps. Voilà. Alors, vous pouvez, tout d'abord, je tiens à signaler que le miel a un effet éclaircissant. Donc, il agit comme le peroxyde d'hydrogène, qui est l'ammoniaque. Mais ce n'est pas de l'ammoniaque, puisque c'est naturel. Celui-ci, avec la chaleur du corps, va développer les pigments, les toxines qui vont vous permettre d'éclaircir vos cheveux. Par contre, il est efficace seulement à partir de 8 heures de pause. Donc ça veut dire que si vous laissez que 8 heures, il n'aura aucun effet sur vos cheveux. Donc plus de 8 heures. Donc ce que je vous conseille, c'est un minimum de 12 heures à une nuit de pause. Ou 24 heures si vous avez le temps. Mais bon, 24 heures, c'est quand même très long. 24 heures, vous ne bougez pas de chez vous, vous restez non-stop à la maison. Une nuit, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez le mélanger donc au citron. Car lui a un effet hydratant, ça protégera un petit peu vos cheveux de l'effet asséchant du citron. Par contre, le citron, vous pouvez le mettre à très grosse dose. Donc ici, je vous présente celui en petite bouteille, mais l'idéal étant quand même le citron, le fruit. Donc vous pressez votre jus de citron et vous l'ajoutez donc soit à votre miel, ou vous pouvez mettre dans du yaourt qui évitera un peu l'effet asséchant de celui-ci. Par contre, étant donné que c'est liquide, ça va liquéfier quand même votre yaourt, ce qui fait que ça risque de dégouliner un petit peu. Protégez le tour de votre tête avec du coton et mettre un petit peu de cellophane, quelque chose comme ça. Justement, le cellophane va pouvoir provoquer la chaleur. Grâce à la chaleur du corps, et ben, ça va vous permettre d'éclaircir vos cheveux. Étant donné, je pense notamment aux personnes qui ont les cheveux noirs, ça va être vraiment très 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 difficile. Donc ce que je vous conseille, c'est de détoxiner vos cheveux en faisant des masques à l'argile verte. L'argile verte étant assez asséchante, il faudra quand même faire un bon masque après, un bon masque à base d'huile et d'hydratation, pour éviter quand même l'effet asséchant de celui-ci, car l'argile verte est assez... rude, donc pour enlever la couleur noire, qu'elle soit chimique ou au henné.
Voilà, en ce qui concerne la camomille, donc vous l'avez en poudre, vous l'avez en hydrolat, vous l'avez en feuilles, donc vous utilisez donc celles que vous souhaitez. Donc vous pouvez les incorporer à vos soins. Par exemple, vous pouvez en mettre dans votre Éneblon. Donc le Éneblon, donc que vous pouvez trouver chez Aromazone ou chez Centifolia. Donc je vous déconseille fortement les Éneblons du commerce parce que ceux-ci contiennent en général du Lawsonia inermis qui est du henné cuivré. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver cuivré, je vous conseille de les commander sur internet sur les sites que je viens de vous citer. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos mélanges. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mélanger du Éneblon à du jus de citron, à du miel, à de la camomille. Vous pouvez tout mélanger ensemble. Après, si vous utilisez seulement le citron, seulement la camomille, je vous conseille de les mélanger à du yaourt. Pour les masques au miel, c'est vrai que c'est assez collant. Donc, de même, vous pouvez mélanger ça, du fromage blanc ou quelque chose comme ça, mais mettre en très très grosse quantité et laisser poser plus de 8 heures. Parce qu'avant 8 heures, ça sert vraiment à rien. Dans le pire des cas, ça vous donnera quelques reflets dorés, mais ça ne provoquera pas d'éclaircissement des cheveux. Ce que je vous conseille, c'est de faire donc ces masques, ces soins. Donc, que je vous conseille de tout mélanger ensemble étant l'idéal parce que vous avez tous les moyens nécessaires à l'éclaircissement de vos cheveux. Donc, l'idéal étant de faire un maximum. Bon, après, moi, j'avais pas trop trop le temps, donc je faisais un masque une fois par semaine pendant environ 4 mois. Donc c'est assez long, mais pour les filles qui sont assez motivées, qui sont vraiment intéressées par l'éclaircissement des cheveux, je vous conseille de faire ça au moins une à deux fois par semaine. Donc en revanche, si vous constatez que vos cheveux s'assèchent quand même malgré la présence de yaourt, je vous conseille de stopper un petit peu et de laisser reposer un peu vos cheveux. Donc voilà, n'oubliez pas de faire quand même un petit masque détoxinant à base d'argile, ça vous aidera à enlever la couleur, donc la dernière couleur que vous avez faite. C'en est de même pour le lait de coco, donc il va vous permettre de faire dégorger votre couleur et même peut-être l'éclaircir un petit peu. Donc voilà pour mes soins. Donc c'est quelque chose que j'ai testé, que j'ai approuvé. Donc je vous mettrai le lien qui vous montre un petit peu le résultat avant-après par rapport à l'éclaircissement de mes cheveux. Sur cheveux encore un peu chimiques malheureusement, parce que bah, j'avais fait une dernière coloration de la couleur de mes racines. Ça date de 2010 quand même. Mais vous pourrez constater quand même qu'il y a un sacré résultat, un sacré travail derrière et que ce n'est pas impossible de le faire. Donc j'éclaircis quand même au moins de deux tons. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en barre d'infos, je vais vous mettre le lien, donc l'adresse donc de mon ancien blog sur lequel donc il y a bah, le avant-après. Voilà, donc j'espère que ces soins vous auront plu. Si vous avez besoin de conseils, de plus de renseignements, n'hésitez pas à à commenter donc ici en dessous de cette vidéo et j'hésiterai pas à vous répondre. Je vous dis à très bientôt les filles, salut!